biersommelier Ben Vinke en kaasmeester Michel van Tricht hebben een missie. Ze willen bewijzen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze brouwers en kaasmakers in binnen- en buitenland. We zijn hier in de Maconnet bij de geitenkaasmakerij Chevenet. Die dus ambachtelijke, rauwmelkse geitenkaasjes maakt, de Maconnet Ben. Maar je ziet ook, Michel, dat hij zijn eigen wijn verbouwt hier. Ja, inderdaad. Dus ik denk dat we het niet gemakkelijk gaan hebben vandaag. Nee, misschien niet. Nee. Maar ik heb gelukkig wel het goede bier bij. Oké. Okay. Bourgogne de Vlaanderen. Ja. Zacht, zoet, zacht zuur een beetje. Ja. Toch complex, niet te zwaar. Ja. En dat gaat leuk zijn bij vooral die oude Maconnet. Ja, inderdaad. Ik denk het ook. Maar it's only one way to find out. Ja, we gaan het proberen, Ben. We gaan het testen. En het zal ook nog een stukje Vlaams Bourgogne zijn dat we hier brengen. Oké, voilà. We zijn benieuwd. Oh. Nee, terug. Maar je moet geen bang hebben, het is maar een biersommelier. Bonjour, Ben. Bonjour. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? C'est la richesse de votre ferme ici. Ah, ils sont exceptionnels, Michel. Pour donner du bon lait, pour faire des fromages Maconnet. Ouais. Du fromage Maconnet, fermier. Tout à fait. Fermier. J'ai les chèvres ici. Ah, voilà, les chèvres aussi. On est populaire ici, hein? Est-ce qu'ils ont tout un nom? Il y en a beaucoup qui ont un nom, effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a déjà un Ben ou Michel? Pas encore, mais je pense qu'il y en a qui sont en train de les adopter. Ben et Michel. Voilà. On va faire une petite visite de la fromagerie, comme ça je vous montrerai comment on fabrique ces bons Maconnet. Fantastique. Allons-y. On est curieux. Het is hier leven als God in Frankrijk, voor de geitjes toch. Maar er wordt natuurlijk ook gewerkt. En dat gebeurt nog steeds op traditionele wijze. Bonjour. Michel toont ons hoe de gestremde melk in vormen wordt geschept. Quand je fais des faux, il faut le dire. Het is weer, Michel. Peut-être les Maconnet de la semaine prochaine vont être de moins de qualité. Je voulais vendre ceci. Als de kaasjes uitgelekt zijn en gedroogd, rijpen ze verder in deze ruimte. Maar daar ligt de kaas die wij bij ons bier moeten gaan proeven. Dat is de oude Maconnet. Ik denk dat dat inderdaad... Dat is het. Dat is de Maconnet die we moeten hebben. Donc. Voilà, affinage environ 2-3 mois, je pense. Un fromage... Je ne sais plus attendre, monsieur. On va déguster la bière maintenant. Bourgogne des Flandres avec la Maconnet de 3 mois. Voilà. Allons-y. Allons-y. Ah, voilà. La table de dégustation est prête. Formidable. Enfin, le moment de notre bière. Que nous avons apporté de la Flandre, ça s'appelle Bourgogne de Flandre. La Flandre a fait partie de la Bourgogne, né? Donc à Bruges, il y avait la duchesse de Bourgogne. Elle habitait là-bas, vous voyez le beffroi de Bruges. Et donc la bière, voilà, c'est une bière brune coupée avec une lambic. Donc c'est vraiment extraordinaire comme bière. Voilà. Merci. Et pour Ben. Merci beaucoup. Et n'oublie pas, Michel, voilà. Moi, je suis agréablement surpris parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à un mariage aussi harmonieux entre la bière et des fromages de caractère. Une bière qui a une force et une finesse qui se marie remarquablement avec nos fromages Maconnet. Mm-hmm. Eh bien, ma foi, c'est intéressant. Ça révèle une saveur complètement différente. Le fromage a un autre goût. Ça reste un fromage avec beaucoup d'élégance. Il n'est pas trop, trop fort en goût. Et je trouve que c'est la même chose un peu avec cette bière. Je crois que c'est la Flandre et la France viennent ensemble ici, dans la Bourgogne. Donc, est-ce que nous avons pu convaincre deux Français sur les mariages entre fromage et bière? Moi, je suis vraiment très agréablement surpris sur ce mariage exceptionnel entre du fromage très affiné avec beaucoup de caractère et cette bière qui est vraiment... très fine, très riche et qui m'a fait découvrir la Flandre et la Bourgogne de Flandre. Oui, formidable, merci. Cheers. Moest wij het maar zo goed kunnen uitleggen als die Fransen. We kunnen dat ze mooi niet zeggen. Nee, we hebben dat niet. Ze hebben toch iets hier. Ze hebben iets. Volgende week zijn Vinke en Van Trichter weer. Ze proeven Leffe Ruby met Mamévie Bleu d'Ardenne.